Coruña, ville d'Espagne. Une idée qui a émergé pour relancer l'animation de ce comité, une chorale. D'abord, sous le nom de Partition, qui veut dire partage, la chorale a pris l'appellation de cœur à cœur en mars 2000 et elle est devenue association, loi 1901. La chorale a été dirigée par M. René Chameroy jusqu'en 2010. Il a été en co-direction pendant 2 ans avec M. Nicolas Testa. Nous ne pouvons oublier les 14 années que M. Chameroy a dédiées au service de la chorale, ses idées, ses accords de guitare, ses délires. Pour cela, nous l'en remercions vivement. En 2010, M. Jean-Louis Dufay en a repris la direction durant une année. Il a ensuite passé le flambeau et a souhaité reprendre sa place dans la troupe. Et elle est là, depuis 2011, notre chef de chœur, Madame Nathalie Laporte. Choriste à ses débuts, elle a grandi la petite. Elle s'est découvert un véritable talent pour la place de directrice artistique. Ce qui n'est pas toujours facile, une passion pour elle. Il n'y a qu'à voir comment elle se donne devant vous à chaque représentation. La présidence de notre ensemble vocal, constitué aujourd'hui de 60 choristes, fut tenue successivement par Madame Joëlle Béal de 2000 à 2001 et par Madame Françoise Chameroy jusqu'en 2011. Elle a aussi donné beaucoup de son temps, de son énergie à la chorale. Elle a mené la troupe et le bureau d'une main de maître. La présidence est assurée depuis par Madame Sandrine Legrand. Notre répertoire est très éclectique et trouve son contenu dans la variété française, comme Goldman, Paul Narev, Crête Boire et bien d'autres, mais aussi international, comme les Beatles, les Zeppelin, etc. Nous ne comptons plus le nombre de chansons que nous avons pu faire tout au long de ces années. Il dépasse les 400 chansons et je pense être loin du compte. Chorale à vocation caritative, cœur à cœur, multiplie les représentations qui lui permettent de contribuer aux actions d'associations humanitaires comme les Blues Roses, les Clowns de l'Espoir ou les Petits Loups du Rwanda, et bien d'autres. Vous pouvez nous voir régulièrement au forum des associations, aux fêtes de la musique, dans la ville ou en spectacle organisé par la municipalité, mais aussi au marché de Noël et bien d'autres que je ne pourrais tous citer ici. Voilà donc ce soir, pour vous et ensemble, la chorale cœur à cœur, fière de vous présenter cet anniversaire, ses 20 ans. Et maintenant, je vous présente ce qui fait le cœur de notre chorale, ces fameux groupes sans lesquels nous n'existerions pas, les Actis. Tous les challenges je vous dois proposer par le chef, tout aussi bien vers l'aigu que vers le grave. En écho, en décalé, plus rien ne leur fait peur aujourd'hui. Ils sont prêts à tout, les fruits musicales, les Actis. Les hommes.
Duchet, Madame Nathalie Laporte. Anniversaire à travers un chant inédit. La chorale Cœur à Cœur est fondée sur des valeurs de partage. Depuis sa création, elle est ouverte à tous. À toi, plus moi, plus ceux, plus tous ceux qui le veulent. De Rod Stewart fut entièrement réécrite en français par Monsieur René Chamerois, chef de chœur à l'époque, pour être interprétée par notre ensemble vocal. Ce chant fut longtemps considéré par les choristes comme l'hymne de la chorale. C'est avec grand plaisir que nous vous le proposons ce soir avec une réadaptation des voix d'origine. Embarquez avec nous, voici Voguer.
cœur à cœur vous compte la femme. Nombre d'entre vous présents dans la salle ce soir s'en souviennent sans doute. C'était le thème de notre concert de l'année dernière. Parmi les titres chantés l'an passé, l'un d'eux illustre parfaitement l'émotion qui peut résulter du mariage des voix. Place aux vieux mariés. Du best-of de ce soir. Pourtant, le choix de celui qui va suivre était évident pour notre chef de chœur, Madame Nathalie Laporte. S'il existait un podium de ses chansons préférées, il serait très proche de la plus haute marche. En souvenir de notre concert de 2012, intitulé « Je chante », jeu bien évidemment le jeu de société, nous allons donner de la voix pour « Color ». Oh,
deux ans, pour le concert Cœur à Cœur revisite les 70s, notre chef de chœur s'était lancé un grand challenge, faire chanter à l'ensemble de notre groupe un titre culte de Led Zeppelin. Peu d'entre nous étant adeptes de la langue de Shakespeare, c'était un véritable défi que nous relevons à nouveau ce soir en chantant l'escalier menant au paradis. Let's sing Stairway to Heaven.
de notre représentation annuelle de l'an 2010, chirurgien d'un soir, nos voix permettaient de réaliser l'opération greffe de cœur, marquant le passage du flambeau de chef de cœur à Monsieur Jean-Louis Dufay. Chanté à cette occasion un tube du groupe The Police, réécrit entièrement dans notre langue par Monsieur René Chamerois, méritait tout particulièrement d'être repris aujourd'hui. Lançons la musique pour Every Breath You Take. La chanson qui va suivre est extraite du concert annuel de 2012. La version française de ce titre de Michael Jackson
est l'œuvre de celle qui nous dirige musicalement depuis 2011, Madame Nathalie Laporte. En ces temps très troublés et meurtriers, son message est plus que jamais d'actualité. Sauve le monde. Thank you.
En 2014, notre compagnie Cœur à Cœur Airlines et son hôtesse de l'air en chef ici présente nous invitaient à faire un tour du monde en chanson. Le voyage proposé vous emmenait jusqu'au pays du soleil levant et nous amenait à vous interpréter un titre en japonais de Pink Martini. Pour votre plus grand plaisir, nous l'espérons, nous rechantons ce soir en nippon. C'est la chorale Cœur de...
président Simone de Pape. En voie, un temps spirituel et profane pour commencer en douceur, amenez-nous. Mais nous sommes d'abord très honorés d'être présents ce soir pour fêter les 20 ans de Cœur à Cœur, groupe bien dynamique avec qui nous avons déjà partagé un concert il y a 3 ans. C'était un excellent moment. Nous enchaînerons avec Francis Cabrel qui nous parle d'un amour qui fait soulever des montagnes, discret, même avec des sabots de bois. Je l'aime à mourir, tout un programme pour que l'autre s'épanouisse. Dans la même veine, quoi de plus beau que de voir ses enfants quitter le nid, partir, voler de leurs propres ailes, affronter la vie avec confiance, sans négliger un petit pansement au cœur des parents. De Michel Sardou, repris par Louane dans la famille Bélier, Je vole, un véritable éclat de vie. Thank you.
trois chants de lui, de Yannick Noah. Insatiable combattant pour un monde plus juste, plus fraternel, il nous invite à prendre nos couleurs pour enlever le gris du ciel, y mettre un arc-en-ciel malgré la difficulté et la douleur, couleur d'aimer. Puis avec Zaz, nous lançons un cri à plus de fraternité entre les hommes pour construire un monde frère, peu à peu, miette à miette, lentement mais sûrement. Et si en s'y mettant tous, ça ne restait pas juste de belles paroles, mais une réalité. À la veille de Noël, on peut y croire. Thank you.
Les migrants, ça vous parle? Ils vont d'un pays à l'autre pour fuir la guerre, passent des frontières dans l'espoir de vivre mieux. Les frontières, parlons-en. Vu du ciel, on ne les voit pas. Un oiseau va d'un pays à l'autre et tout va bien. Et pour nous? Pour nous, si les différences devenaient des richesses, un nouveau monde à construire, sans peur, sans frontières. C'est à nous de choisir quel monde nous voulons laisser. Martin Luther King, Bobby Kennedy, Barack Obama nous ouvraient, eux, un chemin d'espérance. Un président noir aux États-Unis nous parlait de chance. Ce fut de courte durée et ça craint. On ne peut pas chanter Angela sans penser aux crimes racistes, aux esclaves noirs, entassés comme des bêtes, maltraités, vendus en Syrie et en Libye aujourd'hui. Comment est-ce encore possible en 2007, en 2017 ? Thank you.
Brésil, le groupe Beaudommage, en 1970, nous emmène en Alaska avec la complainte du phoque. Ces questions du phoque sont les mêmes que nous nous posons devant les événements de la vie. La séparation, l'éloignement, tout quitter pour vivre autre chose. Mais cela en vaut-il la peine? Que faire? Question cornélienne. Véronique Sanson,
nous entraîne dans la danse. Laisse tomber tes totems et viens avec nous. Et si on aime, si on s'aime, on ne finit jamais de faire le tour de cette drôle de vie. Dans un style décapant, propre à elle, chanson pour une drôle de vie. Oh.
convions à vous laisser porter par l'amour. Mais comment définir l'amour? Comment l'expliquer? Comment le caractériser? Une chanson plébiscitée à l'époque et aujourd'hui encore par nos choristes nous éclaire sur la teneur des réponses à ces questions. J'ai vu la lumière de Marc Lavoine avec le retour de notre ami Hervé à la guitare. Toute particulière parmi toutes celles qu'elle nous a proposé d'interpréter. Il s'agit du titre sur lequel elle s'exerçait pour la première fois à la distribution de nos voix ainsi qu'à la retranscription intégrale en français du texte original écrit en anglais. Extrait du concert Dire et chansons de 2011, The Rose vous est présenté ce soir dans sa version a cappella. Oh.
Le chant. Le chant est un bienfait pour la santé. Chanter développe le souffle. Chanter, c'est du sport pour tout le corps. C'est mettre 300 muscles en mouvement. Chanter donne confiance en soi. Chanter procure surtout du plaisir et de l'émotion que vont partager à nouveau nos choristes et les membres de notre trio de 2013 reconstitués ce soir. Notre soprane, Marie, enfile temporairement le costume de chef de chœur pour cette chanson. Voici I Got You Babe. Et on applaudit Marie, s'il vous plaît. On recommence, mais carré tête, c'est trop rapide pour nous, voyons. On teste les micros, mon loulou. C'est bon, vas-y, Mike. Faire chanter de manière simultanée les hommes sur un titre et les femmes sur un autre,
C'est le pari ambitieux que s'était donné notre chef de chœur lors de la préparation du concert de 2013. Elle nous a fait confiance et apparemment satisfaite du résultat puisqu'elle considère qu'il s'agit d'une des meilleures réalisations qu'elle a dirigées. C'est aussi l'occasion pour Christophe, notre batteur, de lâcher les baguettes et d'ajouter sa voix à celle du groupe des hommes. Sans morale, mais avec tous les choristes, redécouvrez sur un prélude de Bach. Thank you.
De nombreux titres provenant de comédies musicales font également partie de notre répertoire. Parmi eux, nous avons choisi de vous chanter à nouveau l'une des plus populaires chansons du spectacle musical Mozart, l'Opéra Rock. 4 ans après notre première interprétation en concert, il n'a pas pris une ride. Revivons ensemble la Sainte Symphonie. En dehors de cette prestation majeure,
Nous intervenons au cours de l'année lors de manifestations organisées par la commune de Templemar, telles que la braderie, la fête de la musique ou le marché de Noël. Nous chantons aussi pour les résidents de différents EHPAD de la métropole lilloise. Nous sommes également sollicités pour des cérémonies de mariage. Nous n'avons pas su résister à l'envie de vous faire partager le chant d'ouverture de celle de Marine et Rémi qui se sont unis en avril dernier. Nous saluons les jeunes mariés présents dans la salle. La chanson « A Thousand Years » leur est dédicacée. For a thousand years, I love you for a thousand years.
Fêter nos 20 ans sans chanter du Michel Polnareff était inconcevable pour notre chef de chœur et beaucoup d'entre nous. Nous reprenons ce soir un single sorti en juin 1989 par cet auteur-interprète. Comme Pascal Obispo qui en a réalisé une reprise en 2004, nous en sommes fans. Interprété lors de notre concert 2016, nous ne pouvions lui dire au revoir pour très longtemps. Cœur à cœur, rechante pour vous, Goodbye Marilou. Thank you.
arrivé au terme de notre récital que nous avons eu beaucoup de joie et de bonheur à vous présenter. Nous le clôturons avec nos amis de la chorale Cœur de Lys qui nous rejoignent sur scène. En souvenir de notre concert de 2011 Dire et chansons, nous reprenons ensemble un titre écrit par Michel Berger, interprété par lui-même, mais aussi Johnny Hallyday, France Gall ou encore Véronique Sanson. Notre spectacle s'achève avec Diego. Et ce sera sous la direction de Monsieur Roger Huche, qu'on peut applaudir très très fort. Thank you.
bah oui. Vous êtes très 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 nombreux pour fêter cet anniversaire avec nous. On peut vraiment encore les applaudir. D'abord les chefs de chœur. Et ils étaient 90 sur scène pour vous ce soir. Merci avant tout la municipalité présente ce soir en nombre. Merci beaucoup parce que c'est grâce à eux également que ce soir a pu avoir lieu cet anniversaire. Parce que ben voilà, d'habitude on ne fait pas un concert dans une salle de sport. Et par rapport au nombre de personnes que vous étiez ce soir, il fallait cette salle. Merci beaucoup à monsieur le maire, James, notre référent. Merci. Je voulais vous remercier aussi, vous, public, parce que ben, si vous n'étiez pas là ce soir, on n'aurait pas fait la fête non plus. Donc merci à vous d'être là. Merci à vous tous. Je voulais remercier également Madame Piepers,
qui est, voilà, donc la présidente de la chorale Cœur de Lys. Vous pouvez vous joindre. Je voulais remercier donc Nathalie, Jean-Louis qui va me rejoindre également. Françoise Dufour qui va me rejoindre également. Je voulais remercier, mais ils ne sont pas présents, je pense, dans la salle. Donc, Monsieur Chameroy, Monsieur Testa, qui a été également chef de chœur en co-direction pendant quelques années. On peut les applaudir aussi. Madame Béal, qui était la première présidente de l'association, également. Donc, l'association, c'est aussi un bureau. Donc, je demande aux membres du bureau actuel de venir me rejoindre. Ils ont été réélus cette année par les membres de l'association. Vous ne pouvez pas imaginer tout le travail qui découle d'une association. Et cette bande-là est prête à relever tous les défis, des idées à foison, des compétences diverses et variées, une équipe engagée, disponible, sur laquelle je peux compter sur tous les plans. Je leur renouvelle mes remerciements également. Merci. Pour finir, les choristes. On ne peut pas parler d'eux. On a pu ainsi en voir passer des choristes pour une courte durée ou plus longue. Certains anciens sont même dans la salle ce soir. Il y en a même parmi nous sur scène qui sont là depuis le tout début. Elle va se cacher là-bas derrière. Geneviève, tu peux lever ta main. Françoise également. Une qui se cache aussi un petit peu parce que ce soir, c'est un événement particulier pour elle. Nous, c'était nos 20 ans, mais ce soir, elle fête aujourd'hui, avec nous, ses 60 ans. On peut peut-être lui faire la petite chanson. Joyeux à ramener. Si, ça arrive, ils sont derrière, cachés, et voilà, il faut le temps que ça arrive. Et comme quoi le chant rassemble toujours cette année, il y a plein de petits nouveaux qui sont pour la plupart sur scène ce soir pour leur premier grand concert. Ils ont eu très 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 peur. On peut les applaudir aussi. Je ne voudrais pas non plus oublier tous ceux et celles qui nous ont quittés. Encore dernièrement, on a pu avoir de tristes nouvelles. On a pu avoir des pensées émues pour eux. Heureusement qu'il y a aussi, change la feuille, des moments joyeux. Nous avons eu des bébés chorales, il y a la maman qui est quelque part par là, des mariages, des baptêmes. Bref, les choristes ont tout fait pour que cette chorale puisse vivre chaque année une année différente, avec son lot de concerts, de moments de convivialité, car il ne suffit pas de chanter, il faut boire et manger aussi. Il faut aussi savoir s'amuser et échanger. Et ils ont tous été volontaires pour nous aider à préparer cette superbe soirée. Encore un immense merci pour votre soutien. Une chorale, c'est une équipe vivante et chantante. Que celle-ci dure encore et encore et encore et encore au moins autant d'années. Merci à vous tous. Du coup, moi aussi, j'ai des petits remerciements à faire, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre spectacle de ce soir et que vous avez, comme nous, passé un bon moment. Je voulais tout d'abord remercier Roger, Monsieur Hulch, de nous avoir accompagnés ce soir avec l'ensemble vocal Cœur de Lys. Un grand, grand, grand merci à eux. On peut encore les applaudir. Donc, j'ai pas mes lunettes, donc je fais la pointe. D'abord, je voulais aussi remercier M. le maire, Frédéric,
qui croit toujours en nous et qui nous permet à chaque fois de réaliser ce que nous avons pu faire aujourd'hui avec l'aide de toute la municipalité et surtout de notre référent James. Un grand merci à vous. À Baptiste, notre plus jeune choriste, qui cette année, en plus de chanter, a donné de son temps pour l'installation et les tests techniques et à la lecture des textes de présentation. Un grand merci à Baptiste. À Michael, qui est un petit peu dans le noir aujourd'hui, qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qui a fait un gros travail de formation pour pouvoir être top ce soir, pour nous sonoriser dans des conditions pas évidentes, bien évidemment, puisque nous sommes dans une salle de sport. Et donc un grand, grand merci à Michael de nous avoir accompagnés. Bravo Michael. À Fabrice, qui nous a éclairé de sa lumière pour nous magnifier, si cela était encore besoin, et qui est venu de sa Bourgogne pour nous donner un grand coup de main également. Un grand, grand merci à Fabrice. Un grand merci aussi à Françoise et Valérie, qui vous ont accueillis aujourd'hui à l'entrée, et qui vous ont coché tous vos petits noms pour que vous puissiez vous installer tranquillement. Un grand merci à elles deux de nous avoir aidés aujourd'hui. Merci à Marie, grâce à laquelle je peux pour quelques minutes redevenir une choriste en prenant le relais pour la direction de cette bande de fous que sont mes choristes et qui me prête sa voix de soprane pour la préparation des chants. Un grand, grand merci Marie. Bravo. À mes chouchous, les hommes bien évidemment, François et Christian, qui ont bien voulu me rejoindre pour pouvoir me permettre de chanter pour de vrai avec leur belle voix d'homme sur I Got You Babe, et de nouveau François pour cette belle chanson pleine d'émotions, A Thousand Tears, et pour les textes, François, que tu as écrit pour la présentation de chaque chant, parce que c'est François qui a écrit tous les textes que vous avez lu de Baptiste. Donc vous comprenez bien pourquoi le groupe des hommes, c'est mon groupe préféré. Bravo à eux. Merci François. Merci aussi, j'ai beaucoup de merci à Lien, mais ça va aller vite. J'écris en grand, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de feuilles. Hervé qui m'a proposé, en plus d'être choriste, de nous accompagner sur deux chants, qui me l'a fait vraiment de lui-même, qui travaille à leur préparation et qui à chaque fois me bluffe par le travail qu'il a donné. Merci à Hervé. Merci à vous. À mon cri-cri, ma Christophe, bien sûr, mon batteur, fou, bien évidemment, qui chaque fois aussi me suit dans mes délires, et c'est m'accompagner, nous accompagner sur chaque chant. Mais ce qui fait, je pense, sa plus grande force et qui prouve son très grand talent, s'il y avait encore à le prouver, c'est qu'il sait également, quand il n'est pas nécessaire d'intervenir sur un chant, et ça, vraiment, c'est une image de marque d'un grand, grand musicien. Merci à Christophe. Au bureau de la chorale, bien évidemment, donc Sandrine, Christophe, Marie, Karine, François, André, Nicole, Jean-Louis et Pascal. Voilà, je tourne ma portefeuille. Voilà. Oups, car ils sont toujours disponibles, prêts à me supporter dans toutes mes propositions et toujours de bons conseils. Un bureau de grande qualité pour gérer une association comme la nôtre, forte de ses plus de 60 adhérents. Bravo à ce bureau de qualité, je le répète. Merci à mes choristes, bien évidemment, ces hommes et ces femmes qui, chaque mercredi, se demandent mais qu'est-ce qu'elles vont encore nous apporter et qui, malgré tout, relèvent à chaque fois le défi. Merci à vous tous. Bah, Madame la Présidente, Sandrine, elle est tellement petite qu'on l'a perdu de vue. Qui a sur les épaules une grande charge de travail, qui se doit d'être sûr que tout soit fait dans les règles, qui a la grande responsabilité de tout prévoir, même l'imprévisible, et qui le fait toujours avec gentillesse et avec le sourire, qui reste à l'écoute de tout et de tous, qui sait également rester ferme par nécessité, mais toujours pour que la chorale fonctionne au mieux. C'est ce qu'on appelle une belle personne. Merci Sandrine. Et puis bien évidemment, merci à vous, cher public,
Merci à la famille qui vient à chaque fois nous voir. Merci, amis de cœur à cœur, de nous suivre chaque année et de toujours être présents à ce rendez-vous de partage, de musique et de bonne humeur qu'est notre concert. Et bien évidemment, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour encore quelque chose de mieux. Merci à tous et bonne soirée. Bien, je ne vais pas être trop long, mais je voulais remercier, bien entendu, la chorale Cœur à Cœur de nous avoir invités. Ça a été un plaisir pour nous de nous déplacer jusqu'ici à Templemar. Je pense que nos deux chorales, on partage les mêmes valeurs, les valeurs d'humanité, les valeurs d'amitié. J'espère que vous l'avez remarqué à travers les chants que nous avons essayé de vous interpréter au mieux. En tout cas pour nous, je parle pour nous, bien entendu. Un grand merci. Ça a été très sympathique d'accueillir Cœur à Cœur il y a 3 ans à Erquinghem, une petite commune de l'autre côté de l'île, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça a été pour nous un très grand plaisir également de venir chez vous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous partageons ensemble un grand moment comme ce soir. Et en tout cas, bravo à Nathalie, aux choristes de Cœur à Cœur, et bravo aussi, bien entendu, à mes choristes, mais ça, j'aurai l'occasion de leur dire jeudi. Bravo pour tout le travail accompli, c'était superbe. Merci à vous, et merci, cher public, de nous avoir invités.